Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je viens pour une vidéo make-up et produits favoris et par la suite, je pense que je vais vous faire quelques produits terminés si ça vous dit. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va commencer par ce que j'utilise en ce moment le plus et que j'approuve. Donc, ce que j'utilise le plus en ce moment, c'est de la marque Fiderma. Donc, c'est à hyaluroderme. C'est un soin combleur de rides. C'est celui-ci. Voilà. En flacon rond, là. Voilà. Et il est super bien. Bon, il est un peu crado, le capuchon, on s'en fout. Donc, appliquer matin et ou soir sur le visage propre et sec. Tapoter légèrement les zones marquées par le temps. Ou appliquer sur l'ensemble du visage. Moi, je l'applique sur l'ensemble du visage, ce produit. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il laisse comme du soie, en fait, un effet soie sur la peau. Et franchement, j'adore. Donc, celui-ci, je l'adore. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, ce que je mets plus en ce moment, donc c'est une crème de chez Sienne, de chez Lidl. C'est le Tropical Summer Crème Auto-Bronzante, idéal pour peau claire. Ce que j'aime, c'est une édition limitée, hein, donc il se présente comme ceci. Ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'en fait, il vous fait pas un teint tout de suite orange, quoi. Il vous donne un teint petit à petit, un peu bronzé. Après, pour avoir un teint hyper bronzé, il faut vraiment y aller, quoi. Faut abuser, faut en remettre et en remettre. Mais franchement, il est top. Celui-là, moi, je l'adore. Ensuite, ce que j'aime en ce moment, c'est le déodorant de chez Nivea, le Protect & Care. Donc, antitranspirant, 0% alcool. Voilà, protection 48 heures. C'est un 200 ml. Voilà, qui se ferme en tournant, là. Voilà. Et franchement, celui-ci, je l'adore. Ça, c'est mes favoris, hein. Ensuite, ce que j'aime bien, une crème pour les pieds. Absorption et Express à la lavande sans huile minérale nutrition donc nourrie quoi. C'est pour les pieds secs, c'est un 75 ml donc c'est de la marque Yves Rocher. Voilà, et celui-là je l'adore, c'est un très bon produit franchement, rien à dire et je le reprendrai quand il sera vide parce que franchement il est. Ensuite, ce que j'aime en ce moment, c'est un parfum que j'ai retrouvé dans mes armoires. Donc c'est un parfum, je ne sais pas d'où il vient, je ne me souviens plus. C'est le Spirit of Pure Paradise. Eau de parfum. Mais je ne sais pas d'où il vient, je ne sais plus. Il y a écrit quoi? J'ai le site, c'est www.spirit-parfum.eu. Donc voilà, c'est un 30 ml, il se présente comme ça. Si vous verrez bien, il y a une genre de colombe dessus. Voilà. Et là, il est presque fini. Donc, voilà, il ira dans mes seins. Oui, terminé. Que j'adore, mais il faut que je retrouve où je l'avais acheté celui-ci. Je ne sais plus. Il est fleuri. Et il sent super bon. Mais si vous connaissez, vous, cette marque, ce parfum, dites-moi si où on peut le trouver. À moins que je dois regarder sur le site. Bon, il y a le site écrit là. Donc, bon, c'est EU. Je vais voir, mais si vous connaissez ce produit, vous pouvez me dire en commentaire, c'est très gentil, merci. Ensuite, ce que j'aime, ça c'est le parfum que ma fille m'a offert, c'est le parfum Idole que j'adore de chez Lancôme. Voilà, il se présente comme ça, il est tout petit, vous voyez, il est super mignon. Donc, vous voyez, ceci, un produit terminé bientôt. Et je l'adore ce produit. Ce que j'ai comme parfum, c'est un parfum encore de chez. Ça, c'est de chez Action, ça, je le connais. C'est le Ting Happy Be Happy, le rose. Voilà. Et celui-là, je l'adore. Franchement, ils sont super bons. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Hein? On va pas faire la difficile. Ensuite, un autre parfum que j'aime bien, c'est de chez Eau Jeune. C'est le Love Cocktail, moins 18 ans. C'est Love and Shine. Voilà, c'est celui-ci. Et il a des paillettes à l'intérieur quand vous le secouez. Je ne sais pas si vous verrez les paillettes. Voilà. Et celui-là, franchement, il sent super bon aussi.
Je l'adore. Bon, il dépose quelques paillettes, hein, mais ça va, c'est pas paillettes abusées, quoi. Là, j'ai mis une écharpe, hein, parce qu'il y a des petits cochons là qui viennent dire des bêtises sous mes vidéos, des commentaires. Après, enfin, c'est pas gentil. C'est gentil sans être gentil. J'ai pris, enfin, j'avais pris chez Action, quand il est bien gras, j'ai perdu le bouffon. Donc, c'est la marque Alvira, c'est Skin Essentiel. Deux phases, donc c'est un démaquillant pour les maquillages waterproof, vu que j'utilise que ça, vu que j'ai les yeux qui coulent et tout. Donc c'est un démaquillant biphasé. Voilà, nos parfums, mon parfum est testé dermatologiquement pour les yeux Hydrocare. Donc double phase, vous voyez, vous avez le blanc, bleu en haut. Et celui-ci, franchement, il démaquille super bien, je l'adore. Il est pas cher chez Action. Et voilà, ceci est un produit favori que j'achèterai. Pas cher non plus. Ensuite, de la marque Essence, un blush que j'adore et que je rachèterai, je le mets toujours, tout. Là, d'ailleurs, j'en ai mis. Donc, c'est le 50 Pick Me Up. Voilà. Celui-là, il vient de chez. Je l'avais acheté. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je ne sais pas si c'était ADN en Allemagne, en fait, je ne sais plus. Donc, c'est la marque Essence, c'est le Matte Touch Blush. Voilà. Je vous ai dit, hein, c'est le 50 Pick Me Up. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Il est vraiment très beau, quoi. Et il faut y aller pour le vider. Il est vraiment bien pigmenté. Ah, j'ai oublié. Il est super joli. Moi, je l'adore. Celui-ci, je l'adore. Ensuite, on va continuer avec un petit produit que. Bah, celui-là, je l'aime pas, en fait. Je l'aime pas. Moi, je l'ai testé. Donc, c'est de la marque. Biocura, c'est un anti-âge Q10 crème de jour. Donc, c'est celle-ci. Voilà, bon, là, je filme avec mon ordinateur. Je l'aime pas. Je sais pas, elle est appliquée tous les jours, le matin, sur le visage, le cou, le décolleté, nettoyer, puis masser délicatement pour faire pénétrer. Je l'ai utilisée 3, 4, 5 fois, vous voyez. Mais je sais pas. Là, elle sent bon. Mais quand vous la mettez sur la peau, elle a une odeur, mais c'est dégueulasse. Enfin, pour ma part, après vous, je sais pas, ou peut-être elle est plus bonne, je sais pas, hein, franchement. Ou je sais pas du tout, hein. C'est une 50 ml. Donc du coup, celle-ci, moi, je vais la virer parce que je l'aime pas. Voilà, c'est dommage, hein, mais je l'aime pas. Et voilà, c'est cette odeur qui me dégoûte, en fait. Je peux pas la mettre. Je sais pas, il y a une odeur de... Hein, je peux pas vous l'expliquer, hein, parce que c'est une odeur bizarre. Bon, voilà, on va arrêter les bêtises. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, enfin ce que j'aime encore, hein, là, c'est un mascara de chez L'Oréal. Je vais éviter de faire des vidéos trop longues. Donc, c'est c'est waterproof. Hein. Donc, c'est le X-Fiber Extreme Resist. Et c'est le waterproof. Et comme ça, vous avez deux côtés. Excusez-moi, j'ai le nez qui me coule un petit peu. Donc, c'est le noir. Donc, vous avez deux phases. Vous avez le 1. Voilà. Comme ça. Si vous verrez bien, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc, comme ça. Voilà. C'est la phase 1. Et la phase 2. Voilà, qui est recourbée. Et franchement, ce mascara, il est super. Je l'adore. Bon, ça c'est aussi un de mes petits chouchous. On va reposer tout ça ici. Ensuite, en même temps, je parle de produits que j'aime pas, hein, que j'ai testés et que j'aime pas. Ensuite, j'avais reçu, je crois, dans un swap de la marque Art Council Paris, volume quartz. C'est un noir onyx. Voilà, je sais pas. Alors, il y a écrit mascara volume et soin réparateur enrichi en quartz redensifiant et extrait de rose. Moi, je vois pas de volume, je vois rien du tout avec ce produit. Donc, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Du coup, je l'aime pas. Je n'aime pas du tout ce produit. Il m'a pas fait d'effet. Alors, la brosse, elle est hyper, hyper grosse. Je sais pas, j'arrive pas.
Ils sont bons, hein, pas de souci. De toute façon, il est presque vide. Hein. Donc celui-ci, pareil, produit fini, mais produit que je n'achèterai pas. Donc, il me semble que je l'avais reçu dans un swap. Mais voilà.